Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce beau vendredi. Et tiens, pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, tiens, une nouvelle tout de suite, une super nouvelle en fait, très bonne nouvelle pour bon, mes collègues de Red Hat. Je sais qu'il y a plusieurs de mes collègues qui me regardent sur YouTube ou sur Twitch. Je pense que vous avez vu circuler, peut-être vu circuler la nouvelle cette semaine, un petit peu plus tôt cette semaine, je crois que c'est mercredi que la nouvelle est sortie. En fait, j'ai 3 octobre dans l'article qui est mentionné ici. C'est une nouvelle qui nous vient de Forbes, c'est le résultat des meilleurs employeurs dans le monde, ok? Vous voyez bien World, donc l'appel de Global 2000, donc une étude qui vient de sortir. Et ici, on a le classement. Et regardez les 3 premières positions. Donc oui, on peut applaudir. On peut applaudir. Regardez Red Hat, 3e position des meilleurs employés dans le monde. Écoutez, c'est toute une reconnaissance pour nous. Cette étude, en fait, a été faite suite même à l'acquisition de Red Hat par IBM. Et je vais juste monter le volume ici. Donc, oui, c'est ça. Donc, a été fait après, même après l'acquisition, on demeure quand même dans les meilleures compagnies dans le monde où il fait bon travailler. Donc, après plusieurs mois, un petit peu d'incertitude avec l'acquisition de IBM où Red Hat s'en allait,
Je vais juste me montrer la binette ici. Donc, c'est le fun de voir tomber cette nouvelle-là. Donc, la compagnie, ça veut dire que les employés chez Red Hat sont heureux, sont contents. Et on est classé troisième dans le monde. C'est pas juste les compagnies d'informatique, là. Vous voyez, dans le classement, on a toutes sortes de compagnies. Donc, c'est une belle reconnaissance. Et couplé à cette nouvelle-là, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine aussi? Ben, en fait, ça fait quelques semaines. Vous savez, bon, il y a eu des départs chez Red Hat, comme n'importe quelle compagnie, il y a du roulement. C'est sûr qu'avec l'acquisition d'IBM, il y a des gens qui ont pris peur un petit peu, qui sont partis. On continue d'engager. Sachez qu'on n'est pas en train d'arrêter les recrutements chez Red Hat. Bien au contraire, on engage presque sans arrêt. J'ai d'ailleurs deux nouvelles architectes qui devraient commencer très bientôt avec moi pour m'aider à couvrir le territoire, ce qui est une bonne nouvelle aussi. Donc, et ce que j'ai eu comme nouvelle dernièrement aussi, c'est qu'on a des gens qui avaient quitté le 2 ou 3 ans, qui sont allés voir ailleurs, qui sont allés voir comment ça se passe ailleurs, et aujourd'hui, ils veulent revenir. Et même, j'en ai un qui m'a téléphoné cette semaine, et vraiment, c'est pas un rêve, mais c'est vraiment une volonté énorme qu'il y a, c'est de revenir chez Red Hat. Il est allé voir un petit peu ailleurs ce qui se faisait, et il s'est aperçu que ses convictions étaient du côté Red Hat, ça répondait beaucoup mieux. Écoute, on est une compagnie, vous savez, qui est différente des autres compagnies sur le marché, parce qu'on a adopté le modèle open source, donc tout ce qu'on fait est ouvert, il n'y a pas de secret du côté Red Hat, ce qui en fait une compagnie assez unique. C'est sûr, vous allez dire, il y a d'autres compagnies qui sont open source, autres que Red Hat, mais la plus grosse qui existe est nous, et Red Hat, en fait, c'est une des raisons, en plus d'autre chose qui est bien de nous acheter, c'est vraiment le modèle qu'on a. Donc, c'est un modèle lequel on travaille avec open source, c'est-à-dire qu'on favorise beaucoup la collaboration. Donc, il n'y a pas vraiment de secret. Donc, c'est un beau modèle. Et en fait, la semaine passée, j'étais au Red Hat Tech Exchange à Orlando. J'en ai parlé dans quelques minutes, mais on a eu un de mes collègues, Gunnar Ekelsson, qui est venu faire une présentation sur pourquoi, en fait, IBM a acheté Red Hat. Et Gunnar, en fait, c'était sa troisième fois qu'il faisait cette présentation-là. Et vraiment, il présentait les valeurs de Red Hat. Et il comptait que dans les premières fois qu'il a livré la présentation, il était très émotif. Lorsque c'est le temps de parler de l'importance du modèle de développement open source, et qui qu'on est, c'est où notre essence dans ça. Il devenait très émotif, puis il racontait que les premières fois qu'il a livré, il avait vraiment versé des larmes. Donc c'était une super conférence sur le pourquoi, qui on est, et pourquoi on va rester comme ça. Donc des belles reconnaissances cette semaine, donc ce classement-là, ce top, on peut dire qu'on fait le top 3 des meilleures compagnies où il fait bon travailler dans le monde, donc c'est une belle reconnaissance. Et les gens qui veulent revenir, qui sont allés ailleurs, qui ont quitté Red Hat et qui veulent quasiment revenir à tout prix chez nous parce qu'ils ont vu, ils ont constaté que c'est avec Red Hat qu'ils sont mieux. Donc c'est des bonnes nouvelles après tous ces mois d'incertitude d'après IBM d'avoir ce genre de reconnaissance-là, c'est super. OK, donc je sais qu'il y en a sans doute que c'est la première fois qu'ils me regardent, donc bienvenue à mon épisode. Épisode que je tiens aux 2-3 semaines. À titre d'information, tout ce que je fais sur Twitch, tout ce que vous voyez en direct est archivé sur YouTube. Et sur YouTube, vous pouvez voir tous les épisodes que j'ai fait depuis le début. Je suis rendu à ma 20e épisode. Donc, ça fait pas plus d'un an et demi que je tiens les épisodes. J'essaie de le faire d'une façon régulière, mais avec les charges au travail, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, cette semaine, j'avais presque l'intention de canceller l'émission d'aujourd'hui parce que ma charge est énorme en ce moment. J'ai passé d'heures d'une journée pour répondre à toutes les demandes que je reçois. Mais je tenais à la tenir parce que j'ai des bonnes informations à faire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui apprécient beaucoup ce que je fais. Je me le fais dire. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'événements dernièrement. Et j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire félicitations pour tes émissions, c'est super. Donc c'est ma paye, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs occasions, je fais ça sur l'heure du midi. Mes recherches, souvent que je fais pour l'émission, c'est pas toujours dans le contexte du travail. Souvent c'est le soir, la fin de semaine, sur mon téléphone, je vois de quoi de cool, je le mets dans mon document afin de le partager avec vous dans un épisode. Donc, le fait de me faire dire que vous adorez ce que je fais, c'est super, parce que j'adore faire ça, j'adore ce que je fais, ce genre d'épisode-là, je trouve ça le fun. Puis je vois que j'ai de moins en moins de gens qui me regardent sur Twitch, je sais pas si c'est les heures qui causent problème, ou les gens ont peut-être tassé plus du côté YouTube, mais j'ai de plus en plus de vues sur YouTube,
Et en plus, la moyenne d'heures que les gens m'écoutent augmente de plus en plus sur YouTube. Donc, je vais réfléchir à ça. Est-ce que je vais garder le modèle en direct avec Twitch ou vraiment focusser plus sur un contenu en différé avec YouTube? Je réfléchis à ça en ce moment. Donc, sur YouTube, tout est là, comme je mentionnais, et vous pouvez, dans les vidéos, vous avez tout le descriptif de ce que j'ai dit dans les épisodes avec les liens, et des fois même des scripts pour les démos. N'hésitez pas à commenter, à liker, donc c'est un peu ma récompense. Donc, je vais revenir avec un format, en fait, les deux derniers épisodes, comme j'avais beaucoup de nouvelles à vous partager, je vais revenir à mon format habituel, et je viens de voir que j'avais oublié de changer le titre, ici, en haut, à votre gauche, donc on va pallier à ça tout de suite. Ce ne sera pas très long, je dois ouvrir. Bon, qu'est-ce qui a changé? Excusez pour le petit délai ici. Je l'ai dessus. Ouais, juste ici. Bon, désolé. Donc, on va retourner avec une formule plus classique. Donc, on va commencer par comme sujet sur quoi j'ai travaillé dans les dernières semaines. Encore une fois, pour ceux qui se joignent à moi pour la première fois. J'aime ça parler de ce que je fais. Donc, je fais un travail qui... il n'y a pas une journée que c'est pareil. Même si on couvre, je couvre sensiblement les mêmes produits. Je rencontre différents clients, je rencontre différents partenaires, je vais à différents événements. Il n'y a pas une journée, une semaine que c'est la même chose. Travail très passionnant, très motivant. Donc, je tiens à partager avec vous. Fait que ce sujet-là couvre, en fait... histoire de vous passer un petit peu ma passion et vous donner peut-être le goût d'embarquer dans ce genre de travail-là, qui est le travail d'architecte pour un manufacturier. Donc, sur quoi j'ai travaillé dans les dernières semaines, on a eu les RUG, donc deux RUG qui ont eu lieu à Québec et Montréal. Donc, le 10 octobre à Québec, c'était un workshop. En fait, les deux RUG, Montréal et Québec, étaient des workshops. Donc, un sur le à Montréal DevSecOps et à Québec sur Istio. Donc, les deux RUG étaient sold out, à pleine capacité. Donc, à chaque fois qu'on fait des workshops, généralement, ça se remplit assez vite. Pour Istio, j'étais présent. Pour le DevSecOps, j'ai pas été présent physiquement, mais j'ai participé un peu à l'organisation avec mon collègue Karim et Martin. Chez Camélie, est allé donner un coup de main aussi. Donc, merci à tout le monde d'avoir donné un coup de main là-dessus. Du côté Istio, c'était Service Mesh d'OpenShift, la première version sur OpenShift 4. Donc, c'était livré par Martin. J'étais là pour lui donner un coup de main et... c'était la première fois que Martin le donnait en 4. On a eu des problèmes. Je pense qu'il y a un lab qui a malheureusement pas été fonctionné, qui n'avait pas été bien testé avec 4. Mais somme toute, je pense que les gens ont apprécié le lab. Pour DevSecOps, j'ai eu des bons commentaires aussi sur le lab à Montréal, le workshop. Donc, beaucoup d'outils qui ont été présentés. Ça tournait bien sûr autour d'OpenShift. Et pour les jeunes de Québec, on essaiera d'avoir ce DevSecOps-là, un workshop aussi à Québec. On a eu un petit peu plus tôt cette semaine aussi, mercredi, la venue d'un Product Manager de Ansible, qui était de passage à Québec et à Montréal, Tim McNeil. Donc, on a eu 25 personnes environ à Québec, et j'ai entendu dire à Montréal, j'étais pas là, c'était hier soir, c'était avec mon collègue David, une cinquantaine de personnes. Donc, Tim est venu parler du roadmap d'Ansible, de où on est parti avec Ansible et de où on s'en va, donc des changements quand même assez importants et intéressants. D'ailleurs, j'ai un petit sticker ici, super drôle, je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit sticker sur les opérateurs avec Ansible, regardez juste en bas, je ne sais pas si le zoom est bon. Là. L'opérateur Ansible fait chanter, qu'est-ce qui est écrit là? Fait chanter Kubernetes. Donc en fait, ce que Tim a présenté dans sa deuxième présentation, c'est... comment utiliser Ansible pour créer des opérateurs opérateurs Kubernetes, pardon. Donc, si vous avez déjà joué avec OpenShift 4 ou Kubernetes et vous avez joué avec les opérateurs, si vous voulez développer des opérateurs aujourd'hui, c'est en Go principalement, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc, ce qu'on a voulu faire avec Ansible ici, c'est simplifier le travail de créer des opérateurs, mais en utilisant plutôt Ansible. Donc, Ansible fait les appels en Go. Au moment important. Donc, si vous êtes habile avec Ansible, ben, apprendre comment faire des opérateurs avec Kubernetes, ça devrait pas trop être compliqué pour vous. Donc, c'est ce que Tim est venu présenter cette semaine.
Sinon, j'ai travaillé beaucoup cette semaine et la semaine dernière avec mon collègue Martin Ouimet sur un workshop qu'on est en train de planifier pour former des gens à Ansible. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont suivi mon workshop, qu'on a livré plusieurs fois. Enfin, un workshop Linux, un workshop Windows, sensiblement les mêmes avec des systèmes d'exploitation différents. Donc, le client fait organise chez lui, quelque part en novembre. Je ne peux pas nommer le client, là, je n'ai pas d'autorisation de nommer, mais c'est un client assez gros qui organise un automaton à l'interne. Donc, pour inciter les gens à automatiser le plus de choses possible. Donc, il va y avoir des use cases qui vont être présentés cette journée-là et les participants vont avoir automatisé ces use cases-là. Super concept, vraiment génial. Quand on s'est fait présenter ça, on a embarqué tout de suite chez Red Hat avec eux. Donc, ça nous a été présenté en juin. Et de notre côté, on s'est commis à former les gens à utiliser Ansible parce qu'Ansible répond à plusieurs de leurs use cases déjà. Donc, vous savez qu'avec Ansible, on automatise pas juste Linux, Windows, mais un paquet d'autres choses. Donc, c'est ce qui est intéressant pour bien des clients. Puis, je vais revenir sur Ansible, les annonces qu'on a faites au Ansible Fest dans quelques instants. Mais j'ai travaillé beaucoup sur cet workshop-là qu'on va livrer. Enfin, on va livrer sur 2 jours. Première journée, une introduction à Ansible. Donc, un 3 heures très rapide. Et la deuxième journée, c'est du Ansible avancé. Et on va même intégrer Windows, la gestion de Windows dans ce workshop-là. Donc, en fait, c'est le même workshop que vous avez fait avec moi, mais splitté et allongé même. On a rajouté du contenu à l'intérieur. On a même intégré Git à tout ça parce qu'on s'est aperçu que les années qu'on livre le workshop, les questions qu'on a après le workshop, c'est comment que je gère maintenant mes playbooks après, puis mes rôles, comment je gère les révisions. Donc, on a intégré directement dans le workshop l'utilisation de Git avec GitLab. J'ai hâte de voir comment ça va répondre, mais j'ai l'impression que les gens vont apprécier. Donc, non seulement on monte Ansible, mais on monte à comment mettre le tout sur un serveur Git. Donc, c'est ce que j'ai travaillé dans les dernières semaines, bien sûr, avec tous les autres téléphones, demandes de prix, rencontres avec les clients, les partenaires. Donc, on a nos semaines qui sont très remplies et qui passent très, très vite ces temps-ci. Donc, prochaine section, c'est les prochains événements. Ça va être court. On en a passé beaucoup. D'ailleurs, cette semaine était une grosse semaine d'événements. Vraiment, je suis content qu'on ait passé au travers de ça. Puis, je pense, somme toute, ça a super bien été avec les deux Ansible Meetup et le workshop DevSecOps à Montréal. Donc, grosse semaine. Prochain événement, il en reste deux, en fait, qui sont planifiés. Il va y en avoir d'autres qui vont être planifiés dans les prochaines semaines, éventuellement. La semaine prochaine, on a un événement à Québec avec IBM pour rencontrer les CTO, expliquer aux CTO de la région de Québec. Qu'est-ce qui se passe avec IBM et Red Hat? Donc, ça se passe le 29 octobre en matinée. Et à Québec, on a confirmé aussi le Red Hat Day. Je pense que j'en avais parlé au dernier épisode, mais c'est vraiment confirmé. L'hôtel est arrêté. Donc, c'est le 27 novembre prochain à l'Hôtel Pure. On est en train de finaliser l'agenda. En même temps, on a eu des échanges encore. Devrais avoir des présentateurs de l'externe, anglophones, qui vont venir présenter sur le sujet. J'en ai un qui est confirmé, un deuxième qu'on essaie de confirmer. On va avoir du sujet qui est quand même assez chaud, du sujet de sécurité, hein, bien des brèches de sécurité qui se passent ces jours-ci. Donc, je pense que ça va être apprécié. Donc, la semaine prochaine, on devrait faire suivre les premières invitations, j'espère. En tout cas, c'est mon visée avec Jean-François de compléter l'agenda et de vous faire parvenir l'invitation. OK, c'était les prochains événements. Comme je vous dis, on n'a pas des tonnes parce qu'on vient d'en passer beaucoup. On a passé les rugs, les Ansible Meetup. Donc, c'est les événements marketing qui nous restent. Il va y en avoir d'autres, bien sûr, qui vont être planifiés. Ça risque d'aller après les fêtes, par contre. Prochaine section. Oh, j'ai cassé mon affaire ici. Je vais reprendre ça, excusez. Allez, trop vite. Donc, c'est les nouvelles et trouvailles. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce que j'ai déniché de bon dans les dernières semaines pour vous? Quelques petites choses. Je vais m'en tenir à. Pas trop de nouvelles puisque j'en ai donné beaucoup la semaine passée. Je veux vraiment aujourd'hui focusser avec vous sur ce que j'ai découvert au Red Hat Tech Exchange. Donc, on a eu plusieurs présentations au Tech Exchange, mais je reviens sur ça dans quelques instants. Donc, première nouvelle je trouvais intéressante à partager avec vous. On va regarder ça en plein écran ici. Oups, excusez. On a changé la façon dont on couvre les CVE. Donc, en fait, changer, on a amélioré. On couvre plus de CVE qu'avant. En fait, grosso modo, c'est ce que l'article a dit ici. Donc, je peux la copier dans le chat s'il y en a qui veulent me suivre.
Là, je viens de voir que mon petit robot du chat n'est pas parti. Donc, si vous permettez, je vais le démarrer. Parce que j'ai un petit robot un peu qui surveille ce qui se passe dans le chat. Là, je viens de voir qu'il n'est pas activé. La gaine ici. Je prends en passant pour votre information. C'est le petit robot Nightbot. Ouais, comme ça, je pense qu'il va être démarré. Qui est connecté en fait à mon canal Twitch. Ça semble être beau. Bref, on va voir dans quelques secondes qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc cette nouvelle-là, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on va fournir un peu plus de CVE au niveau qui sont classés importants. Donc CVE, c'est Common Vulnerability Exposure. Donc quand quelqu'un découvre un trou de sécurité quelque part, il y a un bulletin CVE qui est émis. Que ce soit avec Linux ou Windows, peu importe le système d'exploitation, peu importe l'application, il y a quelqu'un, un organisme qui émet ce CVE-là. Et qui les classe aussi en critique ou important. Critique, normalement, c'est que on peut exploiter cette faille-là sans se loguer sur un serveur. Donc, quand c'est critique, normalement, il ne faut pas nier, faut pas attarder à fixer la problématique. Ça, c'est des critiques, c'est un no-brainer chez nous, on fournit une patch. Pour les importants requièrent, en fait, quand on découvre un CVE, une brèche de sécurité qui est de niveau importante, ça demande que pour exploiter la brèche, il faut être capable de se loguer sur le système. Donc, de notre côté, chez Red Hat, pendant des années, on était sélectif au niveau des CVE qui étaient jugés importants. On a agrandi la couverture, donc on va être moins sélectif et pratiquement tout livrer des patchs pour ce qui est la catégorie importante. Donc c'est ce que ça dit en gros dans l'article. OK. Autre nouvelle, et tiens, on va mettre une petite vidéo, on va commencer. En fait, voilà, deux semaines, si je me souviens bien, 2 ou 3 semaines, c'était le Ansible Fest à... Où était l'Ansible Fest? Atlanta, je pense, aux États-Unis, je me souviens pas. Je suis pas allé, j'ai des collègues qui sont allés. Et tiens, avant de vous parler de l'Ansible Fest, je vais vous montrer le vidéo d'introduction qui a été lancé la première journée. Super vidéo, montez votre son. La musique est super bonne. Donc, je vous mets ça à l'écran dans quelques secondes. On va switcher ici. J'espère que tout le monde voit. Oui, excellent. Je vais le mettre dans le chat après. J'ai pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Attendez un petit peu. OK, on va reprendre ça. Petit problème technique. Oh, ici. On y va. OK, on prend ça, désolé, j'essayais d'ajuster mon son pendant qu'on parlait. Donc, on prend ça parce que ça vaut la peine, un beau petit vidéo. Je reprends ça, prise 2. Est-ce qu'on a du son ici? Oui, on y va. Je touche à rien.
Super vidéo, vraiment. J'ai comme des frissons quand je regarde ça. En fait, quand on le met assez fort, on l'entend. C'est sûr que Ansible, je suis un grand passionné d'Ansible. J'adore Ansible. C'est sûr que c'est mon travail aussi d'en faire la promotion, là, mais quand je vois une vidéo de cette qualité-là avec on a beaucoup d'extraits de commentaires de gens qui parlent de comment ils adorent, comment ils utilisent Ansible. Après Ansible, oui, effectivement. Je trouve que c'est une super vidéo qui nous met dans l'ambiance. Puis c'est le fun de voir la qualité, la production de ce vidéo-là aussi, là, de voir que chez Red Hat, même si tout est OpenShift pour l'instant, on continue d'investir de façon assez importante dans Ansible. Donc, je vous mets le lien du vidéo. Je l'ai dessus ici. S'il y en a qui veulent le réécouter, là, excusez, je l'ai comme moffé la première fois en essayant d'ajuster mes paramètres de son. Donc, je vous mets ça dans le chat qui est juste ici. Donc, si vous voulez le revoir, écoutez ça sur votre télé plus fort possible. Donc, c'était l'Ansible Fest. Voilà. J'ai-tu la date? J'ai pas la date ici. J'ai pas la date. Je vais vous montrer, en fait, si ça vous tente d'aller voir qu'est-ce qui s'est fait à l'Ansible Fest, qu'est-ce qui s'est dit, ce qui est vraiment cool. Je vais vous mettre ça ici. Je vais mettre ça dans le chat. Vous pouvez voir plusieurs présentations qui ont été faites en vidéo. Encore mon écran noir. Donc en vidéo. Il y en a des tonnes, il y en a pour des heures à regarder ça. De mon côté, je veux prendre le temps éventuellement, quand je vais réussir à dégager un petit peu de temps, d'en regarder quelques-unes. Je pourrais pas tous les regarder, là, mais il y en a vraiment plusieurs. Donc si vous êtes comme moi, vous adorez Ansible, c'est passer du temps sur cette page-là. Je pense que vous allez apprendre plein de choses. J'ai un collègue qui est allé, Patrick Toll, qui m'a expliqué que les sessions qui ont été très populaires, parce qu'il y avait beaucoup de monde, que c'était souvent la pleine capacité que les gens attendaient, c'est les sessions sur Windows. Donc, beaucoup d'intérêt pour comment gérer Windows avec Ansible. Et c'est drôle, j'étais avec un appel avec un client où il y avait des gens de Microsoft sur l'appel, entre autres pour l'automaton. Et les gens de Microsoft, la personne de Microsoft qui était là, le client demandait, ce serait le fun qu'il y ait des sessions sur PowerShell. Et la personne de Microsoft expliquait, ben non, vous devriez plutôt utiliser Ansible, c'est beaucoup plus simple que PowerShell. Donc, et ça fait sens même à la même chose. Donc oui, je vais vous montrer une session que j'ai pas écoutée, mais un de mes collègues m'a dit que c'est super, c'est ici. 1000 serveurs Windows sur 30 jours de reconstruction. À tous les 30 jours, en fait, là, les serveurs Windows sont reconstruits d'une façon automatique avec Ansible. Peu importe ce qu'ils font, on les reconstruit. Donc, il paraît que c'est super intéressant cette présentation-là. C'est quelque chose que je vais prendre le temps de regarder éventuellement. Donc, encore une fois, c'est des vidéos disponibles de l'Ansible Fest. Donc, vous avez, en fait, c'est vraiment une prise d'écran de ce que. Je suis pas sûr qu'on voit les présentateurs, mais il y a les keynotes aussi, si vous voulez écouter les keynotes, qu'on annonce les changements dans le packaging de Ansible et ainsi de suite. Mais sinon, chacune des sessions ici, vous allez apprendre un paquet de choses intéressantes. OK. Et tiens, on a donné de l'amour à Ansible. On va donner de l'amour un peu à OpenStack. Parce que je sais que mon collègue Eric, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, Eric. Eric qui est rendu un TAM pleinement OpenStack maintenant. Petite nouvelle que j'ai prise sur Twitter qui est passée quelque part la semaine passée, je crois. Donc OpenStack, qui était un produit pour lequel on a mis énormément d'efforts marketing, si on recule avant OpenShift. Grosse communauté autour d'OpenStack, qui est sans doute une des plus grosses dans le domaine d'open source aujourd'hui. Belle nouvelle, en fait, ici, de la part de BMW, qui roule OpenStack depuis 4 ans et ont donné le chiffre. Je me souviens pas dans quel congrès, là, DOST19, je ne sais pas c'est quoi. Je connais pas ce congrès-là. Mais bref, ils ont donné les chiffres où ils sont rendus avec leur environnement OpenStack et regardé la quantité de vCPU et de machine qui lance par mois, c'est complètement démesuré, 400 000 VM par mois. Quand j'ai vu ça, je suis tombé sur le dos. Donc c'est impressionnant. J'ai juste pour vous donner référence, un de mes plus gros clients OpenStack ici dans la région, nous avait fait son rapport, c'était 30 000 VM par année. Donc on est à 400 000 ici, mais par mois. Donc c'est une autre échelle. Mais écoutez, OpenStack a été construit pour ça, pour scaler presque à l'infini. Et ici, on a une belle, vraiment un beau témoignage de BMW sur
hein, OpenStack peut aller loin. Puis d'ailleurs, on travaille beaucoup avec OpenStack ces jours-ci dans notre l'automaton. C'est ce qu'on utilise, OpenStack, comme infrastructure pour provisionner une soixantaine d'environnements pour les étudiants. Ben, c'est une soixantaine, c'est une trentaine qu'on a testé. On pourrait suffirait de rajouter un host pour doubler tout simplement la capacité, ou presque. C'est vraiment le fun à travailler pour monter les environnements. On s'est fait un playbook à laquelle on appelle les stack heat. Et je vous dis littéralement, en quelques minutes, on monte les 30 environnements avec Ansible Tower. Tout est prêt pour les étudiants. Donc c'est le fun. Très le fun d'OpenStack. Dernière petite nouvelle qui est sortie un petit peu plus tôt cette semaine. C'est à propos d'Ansible. J'en reviens toujours sur Ansible. Je vous mets ça ici dans le chat aussi. Donc, c'est un outil qui s'appelle Ansible Bender. Je pense que j'en avais déjà parlé dans le passé. Je pense qu'on a parlé d'Ansible Container. Maintenant, on parle d'Ansible Bender. Donc, Ansible Bender, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'article? Excusez. Je vais vous mettre ici. C'est comment utiliser, enfin, Ansible pour... En fait, quand on crée un playbook aujourd'hui, Ansible, pour installer ici un serveur HTTP, puis copier un fichier pour démarrer notre serveur... pas démarrer, mais servir une page... HTTP, une page HTML, pardon, sur notre serveur HTTP. Voici ce qu'il faut faire à Ansible. Hyper simple. On peut prendre le même concept puis l'appliquer dans un container, ça va fonctionner, mais ce que le container ne fait pas, c'est démarrer le service HTTP. Donc, il faut que ce soit démarré à l'extérieur du container, et pour arriver à faire ça, on utilise un outil qui s'appelle Ansible Bender. Donc, ça nous permet d'utiliser nos playbooks traditionnels qu'on utilise pour installer HTTP sur nos... En fait, c'est nos tâches. Et on rajoute qu'est-ce qui manque pour permettre de démarrer le container avec HTTP. Donc, c'est Ansible Bender qui s'en charge ici. Donc, on va démarrer en utilisant des paramètres au container. Donc, c'est un petit projet là, qui me permet, en fait, de manipuler plus facilement la création de container avec Ansible. Ça s'appelle Ansible Bender. Donc, je vous invite à aller jeter un œil sur ça. C'est un projet intéressant. OK, si je continue, prochaine section, on est dans les dernières sorties. On va changer le titre ici. Donc, les dernières sorties, il n'y en a pas des tonnes comparé à la dernière fois, mais il y a quand même des sorties super intéressantes. Je suis convaincu que ça va vous plaire. On commence avec la première, et non, sans doute la plus attendue de l'automne, qui est, vous avez sans doute vu passer, qui est la mise en disponibilité de OpenShift 4.2. Oui, OpenShift 4.2 maintenant disponible. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de 4.2 qui était si attendu? Je vous dirais des belles améliorations. On a maintenant une interface pour les développeurs. Donc, on a diminué un petit peu ce que les développeurs ont accès dans OpenShift, leur donner accès vraiment à ce qu'ils ont seulement besoin dans OpenShift avec une nouvelle console graphique, voir le lien des applications, ainsi de suite. Assez dynamique comme interface aussi. Ce qu'on a ajouté aussi, Red Hat Code Ready Container, je n'avais parlé en Tech Preview, maintenant disponible officiel, donc permet de construire un cluster OpenShift sur son laptop ou son desktop. Donc Istio, bien sûr, qui s'attache à 4.2, et Knative aussi au niveau du mode pour offrir des capacités serverless à OpenShift. On a fait l'ajout ici d'un nouveau projet de CI/CD, des pipelines CI/CD. Donc, on offrait Jenkins. Maintenant, on en offre une tout nouvelle basée sur Tecton. Je suis pas un utilisateur du tout de Tecton, mais c'est une alternative qu'on voulait donner à Jenkins. Donc, c'est maintenant disponible dans OpenShift 4.2. Et je vous dirais la grosse nouveauté qui était attendue. Vous savez, avec OpenShift, on parle de cloud hybride avec OpenShift. Une des raisons majeures pourquoi IBM a acheté Red Hat, c'est cette capacité-là. Donc, avec OpenShift 4.2, maintenant, on a rajouté, en plus d'Amazon, qui était supporté avec 4.1, on a rajouté Azure, bien sûr, qui était très attendu des clients de la région de Québec, Google Compute Engine et OpenStack. Donc, maintenant, on a
quatre types de cloud, quatre cloud providers pour lesquels on peut installer OpenShift de façon pleinement automatisée. Vous savez qu'avec OpenShift 4, il y a deux façons de l'installer, la façon plus manuelle et la version pleinement automatisée. Donc maintenant, 4.2, on supporte les quatre. 4.3 devrait s'en venir, je croise les doigts, quelque part, peut-être avant la fin de l'année, sinon début d'année prochaine, pour lesquels on va rajouter d'autres providers pour lesquels vous allez pouvoir installer OpenShift pleinement automatisé. Et je parle de VMware, de Rev et de Amber Metal. 4.3, c'est ce qui est visé. Ce que vous allez voir dans les prochains jours, c'est aussi la mise en disponibilité de OCS, qui est la suite de ce qu'on avait fait avec OpenShift 3 au niveau stockage. Donc, vous vous rappelez qu'OpenShift 3, avec OpenShift 3, on vous offrait les capacités de stockage à travers Gluster. Avec OpenShift 4, ça s'en vient, là, c'est d'une semaine à l'autre. On va vous offrir du stockage au travers Rook, qui va vous permettre d'aller chercher du stockage avec Ceph, entre autres, et peut-être d'autres plateformes de stockage éventuellement. Donc ça s'en vient d'une semaine à l'autre. Là, c'était, on souhaitait le lancer en même temps 4.2, mais il manquait du QA. Vous savez qu'on est très sévère avec le QA chez la date, donc on a délayé un petit peu la sortie d'OCS, OCS 4, en fait, très bientôt. Ce qu'on a ajouté aussi avec OpenShift 4, qui était très attendu pour les utilisateurs d'OpenShift 3, c'est un outil de migration de 3.4. Et je vous le montre dans quelques instants, fait quand je suis allé au Red Hat Tech Exchange, j'en ai fait. Excusez pour les petites notifications, j'ai des gens qui me chattent en ce moment. On a ajouté cette capacité-là, cette console de gestion-là qui va vous permettre, en fait, c'est un opérateur qui est installé sur 4, qui va vous permettre de migrer vos containers d'OpenShift 3.4. Et ce qui est cool en plus, c'est que si vous êtes avec Gluster avec 3, va migrer tout ce qu'il faut, toutes les données vers Ceph du côté de 4 aussi. Belle interface graphique aussi, je vous montre ça dans quelques instants dans ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert au Red Hat Tech Exchange. Donc c'est les grosses nouveautés d'OpenShift 4, j'ai mis le lien de l'article, plusieurs petits détails là, qui n'est pas mentionné ici, là, mais bref, c'est une mise à jour très attendue. Donc finalement aujourd'hui, OpenShift 4 disponible sur tous les cloud providers, les majeurs du moins, et bien sûr OpenStack, de façon pleinement automatisée. Donc, c'est une bonne nouvelle. Autre grosse sortie cette semaine, très content aussi. Tiens, je vais copier juste un article ici. J'en avais deux, là, mais je ne vais pas trop vous inonder. C'est Satellite 6.6 qui est sorti. Donc, Satellite 6.6, je vous dirais, était aussi très attendu. En tout cas, moi, personnellement, ça fait longtemps que j'attends cette release-là. En fait, c'est pas nécessairement la 6.6 que j'attendais. Mais ce que j'attendais, c'est enfin de pouvoir retirer complètement Puppet de mes environnements de démo et de lab. Il restait une capacité dans cette Satellite 6 pour laquelle on avait besoin de Puppet et c'était OpenSCAP. OpenSCAP, qui est un scanner de vulnérabilité, conformité, c'est quelque chose que j'adore démontrer, surtout dans le contexte actuel des problèmes de sécurité de peu partout, les brèches de sécurité un peu partout. OpenSCAP, un regain, et j'adore le présenter, et dans mon environnement, je devais garder Puppet à cause de ça. Maintenant, avec Satellite 6.6, on a retiré complètement ce prérequis-là, donc OpenSCAP peut maintenant être déployé avec Ansible. Donc ça, c'est bien. Quoi d'autre? Des améliorations au niveau des engins de report. En fait, depuis 6.5, on offre la capacité, on offre plusieurs rapports préconstruits. Maintenant, c'est possible de les céduler et de les envoyer par courriel. Quoi d'autre? Oui, c'est ça, c'est intéressant. Ici, nouveau dashboard sur les tâches qui roulent. Il y a beaucoup de tâches dans cette île qui peuvent rester bloquées, on ne sait pas pourquoi. Donc, un nouveau dashboard, beaucoup plus graphique. J'ai pas updaté encore mon satellite, j'ai pas eu le temps. C'est sorti mercredi avec l'horaire que j'avais, j'ai pas pu, mais je vais le faire. La prochaine épisode, je vais vous montrer ce nouveau dashboard-là qui est super intéressant. Et aussi, on a relâché en même temps, tant qu'à relâcher une nouvelle version de Satellite 6, on a relâché des nouvelles capacités sur cloud.redhat.com. Enfin, on a amélioré, rajouté des capacités au niveau de vulnérabilité, compliance. Et on a changé le nom, je ne sais pas si vous vous souvenez, le troisième service, c'est System Comparison, maintenant ça s'appelle Drift Analyst.
Donc, avec des améliorations au niveau de l'UI. Donc, les services en ligne aussi ont été améliorés, non seulement satellite, mais les services en ligne, qui sont associés en passant à la vulnérabilité compliance. Déjà open, satellite peut le faire, on voulait juste le rendre disponible en ligne ici, surtout si vous n'avez pas satellite dans des clouds publics. Donc, vous pouvez lancer ces recherches de CVE sur les machines qui se retrouvent sur vos câbles publics et faire des compliance aussi, même si vous n'avez pas de satellite. Là. Compliance, c'est OpenSCAP qui est là, en fait, qui permet de rouler sur vos machines à distance. Donc, c'était les deux dernières grosses sorties. Aussi, Ceph, on a annoncé une nouvelle version bêta, on est à Ceph 4. Ceph, au niveau stockage, beaucoup d'amour. Ceph est très aimé aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais mettre beaucoup de temps, beaucoup plus de temps dans Ceph, mais malheureusement, j'arrive pas à mettre l'effort. Par contre, avec Ceph 4, ça va peut-être être plus facile. Regardez ça ici. Je vous montre qu'est-ce qu'on a fait comme amélioration dans Ceph 4. Vraiment, je pense, intéressant. On a un nouveau... Attends, je vais le mettre ici. Je vais peut-être couper le son, là. Ouais, this is poor. Je peux le mettre dans... Tiens, si vous voulez le regarder au complet. On ne le regardera pas au complet ensemble. Je vais le mettre dans le chat. Donc, on a un nouvel installateur pour Ceph. Et donc, ici, on fait juste expliquer comment activer l'API de l'installateur. Et je vais juste vous montrer. Donc, c'est au travers Cockpit que ça se passe maintenant. Donc, Cockpit devient de plus en plus gros. Et je vous en parle en détail dans quelques instants avec ce que j'ai découvert au RHTE sur Cockpit aussi. Donc, mais regardez rapidement de quoi ça a l'air. Ça semble très bien. Je l'ai envoyé à quelques clients qui utilisent Ceph cette semaine et j'ai eu des bons retours. Donc, ça permet d'installer, configurer de façon graphique au travers Cockpit. Cockpit qui est une interface web de gestion. Un cluster Ceph. Donc, ça va être intéressant à tester. Donc, c'était les sorties de la semaine. Donc, quand même, des bonnes sorties, même s'il n'y en a pas beaucoup. OpenShift 4, c'était les 6.6. C'est intéressant. Donc, pour le reste de l'épisode, il y a déjà 1h-5. Donc, il me reste une quinzaine de minutes. Je vais vous parler du Red Hat Tech Exchange. Et je vais vous en parler en images, en fait. J'ai pris un paquet de photos et de screenshots. Donc, je vous montre ça. À l'instant, un petit peu, je retrouve mes photos juste ici. Twitch, ouais, je l'ai. Donc, allons-y avec la première photo. Non, pas celle-là. Celle-là, excusez. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais grossir. J'ai quasiment envie de mettre plein écran. Plus facile, ça va être plus beau. Bon, pas une grosse différence. Bref, Tech Exchange, qu'est-ce que c'est Tech Exchange? C'est la troisième année qu'on tient un Tech Exchange. Ça a eu lieu à Orlando cette année, comme les autres années d'avant. Orlando, en Floride. Donc, c'est un événement interne, c'est pas un événement public. C'est un événement pour lequel on invite les gens de service, les gens de support, les architectes. Et quelques partenaires aussi. J'ai vu quelques partenaires qui étaient présents cette semaine-là. Et bien sûr, IBM. Cette année, on était plus de 2000. Pratiquement 2000. Pas plus de 2000. Pratiquement 2000. Je pense que c'était 1900 quelques. Et il y avait 400 personnes d'IBM cette année qui étaient présents aussi. Donc, et qu'est-ce que c'est cette semaine-là? En fait, c'est une semaine pour laquelle, on reçoit de l'information sur les nouvelles versions des produits. On reçoit les roadmaps des product managers. On reçoit l'information sur les changements dans les portfolios. Et il y a des hackathons aussi. Et bien sûr, il y a des soirées bien arrosées. Donc, c'est super le fun pour créer des relations avec des gens avec qui on échange un paquet de courriels qu'on n'a pas la chance de voir face à face. Donc, moi, c'est ma semaine préférée chez Red Hat. J'adore aussi le Red Hat Summit, mais ici, vraiment, on focus pour apprendre tout ce qui s'en vient de nouveau chez Red Hat. Et on a accès aux développeurs, et c'est drôle, j'ai fait un lab, plusieurs labs, j'ai fait un lab sur le cost management, je vais vous le montrer dans quelques instants, et dans la salle, on avait le product manager, on avait l'architecte en chef du cost management, on avait la fille qui était responsable de l'interface graphique, on a une quatrième personne qui était le principal développeur. Donc, on est assis dans la salle, on teste le nouveau logiciel, puis t'as les gens qui créent le
qui ont créé la solution, toute l'équipe qui décide en fait comment le logiciel va avoir l'air, comment on va pouvoir l'utiliser, en fait, qui va décider comment est conçu le logiciel, puis on peut leur parler puis interagir avec, puis dire ça j'aime ça j'aime pas ça, puis ils prennent des notes. Super cool. Donc c'est ce qu'on a fait cette semaine-là, c'était intéressant. J'ai participé à quelques présentations, donc oui, la thématique, c'est vrai, ça me fait penser à la thématique, je vais zoomer ici. Donc, thématique de la semaine, bon, ce qui est sorti beaucoup, intelligence artificielle, learning, machine learning. Donc, intelligence artificielle, c'est de plus en plus dans ce genre de conférences-là, ça prend de la place. Donc, si vous cherchez un nouveau créneau en informatique, allez jumper dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment le futur. Vous allez voir, j'ai une petite diapositive tantôt qui donne une statistique assez intéressante là-dessus. Donc, je suis allé en voir quelques-unes, voir ce qu'on disait là-dessus. Donc, ici, ce qu'on présentait dans cette conférence-là, c'était l'utilisation des GPU NVIDIA sur RHEL, sur KVM, REV, OpenShift et OpenStack. Donc, comment aller chercher la puissance de calcul qui se retrouve dans ces cartes vidéo-là aujourd'hui. Donc, on retrouve la puissance de calcul qui est à l'intérieur et... Je me souviens pas, il a nommé le chiffre, là, c'est un chiffre astronomique, là. Donc, et la charge de travail principale utilisée, c'est machine learning et l'intelligence artificielle. Donc, on voit ici sur cette diapositive-là, avec un beau coco en bas, les cartes vidéo qui sont supportées jusqu'à présent. Les façons d'aller chercher le GPU, PCI Express 3 ou différentes technologies, dont certaines technologies propriétaires à NVIDIA. Donc ici, celle-là, une espèce de cloud pour lequel on va se connecter. Ça dit que c'est pas très Red Hat friendly. On est en train de développer avec NVIDIA une initiative basée sur des images UBI. UBI, pour ceux qui ne savent pas, c'est les images qu'on donne maintenant à la communauté, pas à la communauté, mais qu'on donne à tout le monde, des images de containers basées sur RHEL. Il y a différents formats. J'en ai parlé dans une émission précédente. Donc, on travaille avec NVIDIA à fournir des containers basés sur UBI qui vont aller chercher GPU de façon automatique. J'allais voir des conférences aussi sur la sécurité, donc l'IA est très fort, sécurité aussi, quelques conférences sur la sécurité, parce qu'on a fait on a annoncé un nouveau produit au Ansible Fest qui s'appelle Ansible Security, et ici sur cette diapositive-là, vous pouvez voir les premiers vendeurs avec lesquels on a travaillé cette nouvelle offre Ansible-là. Donc, cette nouvelle offre permet tout simplement d'intégrer tous ces logiciels de sécurité l'ensemble et les faire parler lorsqu'il y a une attaque qui survient. Et éviter le plus possible qu'il y ait des interventions humaines pour créer des nouvelles règles, bloquer les attaques. En gros, c'est ce que ça fait une Cyber Security. En fait, la problématique numéro un dans le domaine de la sécurité, c'est qu'il existe des centaines, voire des milliers de logiciels aujourd'hui, donc les CISO, les gens responsables de sécurité dans vos entreprises, ont à mettre en place différentes solutions. Puis ces solutions-là ne se parlent pas nécessairement entre elles. Il va y avoir quelques points d'intégration, mais pas des tonnes. Alors, on vient mettre Ansible en dessous de ça. Ansible parle aux API, et quand il arrive une attaque, Ansible peut déclencher, envoyer de l'information à d'autres logiciels pour traiter l'information, créer les règles, les retourner. Et tout ça pour éviter les opérations manuelles. C'est super comme concept. Je pense que j'avais déjà présenté dans le passé à l'épisode. C'est tellement super que IBM, un des product managers ou un des VP, je pense même d'IBM, tombe en amour avec ce concept-là. Il est allé au Ansible Fest avec sur le stage pendant la présentation de cette offre-là pour dire ça va changer le monde de la sécurité. Donc vous allez voir dans les prochaines releases d'Ansible et même avec les prochaines Ansible Collection qu'on va sortir, de plus en plus de manufacturiers de sécurité, de plus en plus de modules pour opérer ces solutions de sécurité-là. Et ce qu'on a adressé en fait dans cette présentation-là, c'est à qui on vient en aide avec nos solutions, notre solution Ansible Security, donc l'analyse de sécurité, l'opérateur de sécurité, le CISO. Donc, on peut les aider dans ça. Et on donnait des exemples ici de playbook. Me connecter Checkpoint Radar ensemble et ainsi de suite. Vous voyez les playbooks, rien de compliqué, là. Faut juste avoir la recette. Donc, avec Snort ici. Donc, j'ai pris une couple d'exemples, là, pour éventuellement essayer de construire une petite démonstration, pour une prochaine présentation.
ici, pendant un keynote, pour revenir sur l'intelligence artificielle, là, c'est, je sais que c'est brouillé un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça dit que d'ici 2022, 50% des assets en IT vont devenir autonomes et grâce, en fait, à l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, si vous ne le regardez pas aujourd'hui, là, vous allez être en retard. Il faut commencer à regarder comment l'utiliser, comment l'implémenter dans votre organisme, dans votre entreprise, parce que c'est là que le marché s'en va. Il y a une quantité phénoménale de données que les compagnies récoltent. Alors, pourquoi pas sur les clients, sur les l'information sur les ventes, quoi que ce soit, pourquoi pas prendre l'intelligence artificielle et aller être plus réactif avec ces données-là. Donc, c'est ce qui était présenté dans la présentation. Je suis allé voir Cost Management, un nouveau service qui s'en vient sur cloud.redhat.com, voyons. Initialement, ça s'appelait Cost Management as a Service. On devait donner les prix de consommation de nos produits réels, OpenShift, peut-être d'autres produits. Ce qu'on a eu comme update, c'est qu'on va vraiment focusser Cost Management pour OpenShift parce que dans le marché, il existe un paquet d'outils déjà qui fait du Cost Management pour le cloud et on se voyait pas compétitionner avec ces gens-là. On a pris une niche, on a dit, ben focussons sur comment ça coûte rouler OpenShift dans Azure, comment ça coûte rouler OpenShift dans Amazon pour aller faire des coûts de comparaison. Et on va vraiment aller assez profond. On est capable d'aller voir comment ça coûte par usager, comment ça coûte par container, par projet. C'est vraiment génial. Donc, j'ai fait le lab aussi. Je vous montre des screenshots dans quelques instants. Ici, c'était la session sur de migration. Si je me souviens bien. Oui, c'est ça, container. Oh non, c'est... C'est Container Native Virtualization, excusez. Ça, c'est une autre session que j'ai fait. C'est un lab que j'ai fait, en fait, comment rouler des VM dans Kubernetes ou dans OpenShift. Et malheureusement, le lab est en 3.11, donc c'est quelque chose que j'avais déjà vu. On l'a pas fait en 4 parce que le présentateur expliquait que 4, bon, ça roule uniquement pour Amazon. Quand on roule des machines virtuelles dans Amazon, ben là, on tombe dans la virtualisation embarquée. C'est pas le use case idéal. Idéalement, on veut rouler ça sur du bare metal. Et on n'avait pas d'implémentation bare metal pour faire le lab. Donc, on est allé avec du 3.11. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà vu. Mais, bref, un concept super intéressant qui s'en vient. Qui, en fait, vous permet de rouler vos machines virtuelles directement dans OpenShift. L'avantage de ça, c'est qu'on vient d'avoir juste une seule console de gestion pour mes containers et mes machines virtuelles. Puis en plus, des technologies comme Istio pourraient s'appliquer à des machines virtuelles aussi, donc ce qui est cool. Donc ça s'en vient. On est en gros développement. J'ai pas de date à vous donner sur ça, mais ça s'en vient. Puis je devine avec OpenShift 4.3 qui va permettre l'automatisation, le déploiement full automatisé d'OpenShift. Là, ça va prendre son envol aussi à ce niveau-là. Et pas juste des sessions, au Red Hat Tech Exchange, on va faire la fête le soir. Évidemment, vous voyez ici qu'il y a un party, c'est deux de mes collègues de Toronto qui sont sur le stage en ce moment. Très cool le bar ici, c'est un karaoké. Je suis pas un amateur de karaoké, parce que c'est souvent on se fait casser les oreilles. Mais ici, regardez là, la particularité, on a des gens en arrière, donc il y avait un band en arrière carrément, et du back vocal en arrière, deux dames qui chantaient. Donc, ça faisait, même si tu chantais mal, ben ça finissait par sortir quand même bien. Et je vous dirais, c'était tellement une partie, tout le monde chantait là-dedans, que ça enterrait littéralement les gens qui étaient sur le stage. Mais ça a été super le fun, belle soirée. On a Simon et Flore ici, mes collègues de Toronto et Montréal aussi, qui sont allés sur le stage un petit peu plus tard. Pour venir... aux conférences, je suis allé voir, en fait, c'est un keynote ici sur Chris. Si vous connaissez pas Chris, allez jeter un œil sur Chris, projet open source, pour donner une vue en 3D du cerveau. Donc, faciliter l'analyse quand il y a un problème au niveau du cerveau. Le tout roule sur OpenShift. Donc, j'ai trouvé le projet super. Donc, très humain comme projet aussi. Donc, grâce à Chris, on aide les docteurs à détecter plus vite les maladies du cerveau. Je vais avoir une petite présentation ici d'un de mes collègues qui s'appelle Jeff Cutler, qui a travaillé chez quelques-uns de mes clients ici dans la région avec CloudFarm. Jeff est un spécialiste CloudFarm.
Donc, il est venu faire une conférence sur comment, en fait, participer des projets open source, comment soumettre du code. Donc, je voulais voir les petits trucs qu'il donnait. Donc, j'ai pris quelques petites diapositives ici. Ici, finalement, j'ai terminé avec la migration d'un. C'était mon dernier lab que j'ai fait, ça, migration d'un cluster OpenShift 3.11 à 4.2. Et voici ce que c'était les prérequis ici. En fait, deux façons de lancer la migration. Soit en stage, donc en stage, j'ai plusieurs niveaux. Donc, si je veux migrer des containers qui roulent, je peux commencer à faire une première copie vers ma destination, mon cluster 4. Et une fois que la copie est terminée, je vais éteindre le container et repartir de l'autre côté. Et il va copier le delta entre les deux. Donc, on fait pas de la live migration, mais presque avec cette opération-là. Ou sinon, migrate va vraiment, on fait un shutdown du container, on l'envoie de l'autre côté, tout simplement. Donc c'était le fun. Et les technologies qui sont dans le back-end, en arrière de la migration, c'est Velero et Restic. Donc, c'est ce qui est utilisé pour faire le backup et déplacement des containers. Ça, je sais pas c'est quoi. Et je vais finir avec ces dernières images-là, avec vous montrer les screenshots des différentes technologies qu'on a utilisées, les labs que j'ai fait, en fait, sur Cost Management et la migration 3.11 à 4. Donc, on est allé, le dernier soir, on est allé voir l'Halloween à Universal Studios, donc un des parcs je vais dézoomer, là, parce que c'est... Oh, bon, finalement, je vais zoomer. Donc, un des parcs tout est décoré en Halloween. Tout le monde essaie de nous faire peur dans ça. Il rajoute, je pense qu'il y a 5 ou 6, 7 manèges d'Halloween construits spécialement pour l'Halloween. Vraiment une super ambiance. Je ne sais pas si vous êtes jamais allé à Universal Studios. C'est quelque chose, faites-le à l'automne parce que l'ambiance est vraiment superbe. C'est sûr que la photo ne rend pas là, ce qu'on voit, mais vous voyez que c'est assez sombre, très paquet de jeux de lumière, beaucoup de. Vraiment beaucoup d'ambiance, super le fun, il faisait beau. Et regardez les listes d'attente pour les manèges d'horreur. Regardez Stranger Things. On est sorti, on est allé le faire, Stranger Things. On a attendu 80 minutes. Quand on est sorti, j'ai vu l'annonce, 175 minutes. Il était 11h moins quart le soir. Donc, c'est pratiquement 3 heures d'attente pour rentrer. Et c'est pas grand-chose, Stranger Things. C'est vraiment un 3-4 minutes dans lesquelles on marche dans une espèce de labyrinthe, puis tout le monde essaie de nous faire peur là-dedans sous thématique de Stranger Things. Honnêtement, attendez pas 175 minutes pour ça, aller faire autre chose. On a fait les manèges d'Harry Potter et des Simpsons. On avait 10-15 minutes d'attente. Donc, allez en profiter plutôt pour faire ceux-là. Je pense que les autres, on n'a pas essayé les autres. Vous voyez, 90 minutes chaque, ça n'a pas de sens. Mais le concept est le même. Là, c'est dans des espèces de studios qui ont été construits temporairement. Donc, c'est pas des gros manèges avec des, comme on retrouve à Universal Studios. C'est vraiment plein de choses décorées, de l'ambiance, de la musique, là, mais, bref. Donc, c'était les images du Tech Exchange. Il me reste à vous montrer les screenshots que j'ai pris des deux labs que j'ai faits. Donc, je vous montre ça. Et je vais terminer avec ça. Je vois qu'il est presque 1h15. Le timing est bon. J'ai ça ici, screenshot. Donc, je vous montre ça. Donc, deux labs que j'ai faits pour lesquels j'ai pris des screenshots. Cost Management. Je vous montre ça très rapidement. Donc, c'est l'interface. C'est déjà accessible, là. Il n'y a rien de secret ici. C'est déjà accessible en bêta sur notre site cloud.redhat.com. Donc, ça permet de déterminer, en fait, le coût. Puis ici, on peut mettre des tags dans OpenShift pour lesquels le service va calculer les coûts. Donc, je peux aller le voir par courriel. Donc, ce courriel-là, qu'est-ce qui roule dans OpenShift? Combien ça coûte? Créé par... la stack, l'owner, la plateforme, le projet par nœud, par cluster. Donc, je peux avoir les coûts là, vraiment tout bien détaillés et voir de mois en mois s'il y a une augmentation ou une diminution. Donc, super intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous qui roulez OpenShift dans les cloud providers. Vous allez pouvoir avoir là, juste plus précis sur comment ça coûte. Puis faire des comparaisons aussi. Est-ce que ça coûte moins cher aujourd'hui sur Amazon ou sur Azure ou vice-versa? Donc, c'est le but, c'est ce que l'outil va permettre de faire. Donc, c'est les screenshots que j'ai pris pour Cost Management. Ça s'en vient. Ça devrait être disponible sous peu sur cloud.redhat.com et tous ceux qui ont un abonnement à OpenShift vont avoir accès à ce service-là.
Et finalement, l'outil de migration. Voici l'outil de migration de 3 à 4. Donc, c'est une interface assez simple. J'ai pris à gauche et à droite un petit peu des screenshots, là, mais vous montrer. En fait, ici, on crée un plan. Donc, j'aurais dû prendre une copie là, de la ressource. On va spécifier c'est quoi le projet. Est-ce que c'est un type, c'est un copie ou un par stage? Est-ce qu'on veut faire en deux niveaux? Et on choisit la classe. J'ai pas pris tous les screenshots malheureusement, mais on choisit la classe de destination du stockage. Donc on peut passer de Gloster SF facilement avec cet outil-là. Une fois que c'est prêt, le plan est prêt à rouler. Et là, on va le rouler ici. Donc on le voit en temps réel. Ici, on voit le progress bar. Donc, les différentes étapes là. Donc, première étape est prête, la migration est prête, et finalement ici la migration run. Et j'aurais pu prendre aussi, mais on voit vraiment une progress bar qui se fait. Donc, hyper simple comme interface, super le fun. Ce que j'ai pas pris en screenshot, que l'outil fait aussi, c'est qu'il va faire une analyse de votre environnement 3.11. Il va vous donner un fichier HTML de ça, avec tous les projets, tous les pods, vraiment bien détaillé, structurant YAML. Donc, ça nous facilite. Qu'est-ce qu'on veut migrer de 3 vers 4? Donc, c'est disponible avec OpenShift 4 maintenant, donc 4.2, donc cet outil de migration-là. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à l'épisode. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Prochain épisode devrait être dans 2 à 3 semaines. Encore là, ça va dépendre des charges de travail. Puis ça va dépendre aussi du contenu. Souvent, pour ceux et celles qui sont la première fois qui me regardent, je ferai pas un épisode à toutes les semaines parce que probablement j'ai pas du contenu assez pour vous tenir une heure à toutes les semaines, mais aux 2-3 semaines, j'arrive à bien remplir ça. Donc, ça va être à surveiller le prochain épisode. Donc, merci d'avoir été là encore une fois. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, bonne fin de semaine.